Xavi est déçu par la signature de Ousmane Dembélé au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Xavi, gars. On va parler de Ousmane Dembélé. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les gars, Xavi est déçu de Ousmane Dembélé. Xavi est déçu du fait que Ousmane Dembélé ait signé au PSG. Ce n'est pas vraiment parce qu'il a signé au PSG. C'est juste parce que Xavi lui a tout donné au Barça, même quand Ousmane Dembélé était moins bien. Xavi lui a toujours protégé. Donc, cette signature est vue comme si Dembélé était un traître. Comme s'il était un traître. Parce que lorsqu'un club te donne tout, un club te protège. C'est comme ça que tu le remercies. C'est comme ça que tu le remercies. Donc, c'est ça qui choque un peu le FC Barcelone. Mais sinon, dans le contexte, les gars, le football, c'est un sport. Comme disait un sage, un penseur, c'est le sport collectif le plus individuel. Le football, c'est le sport collectif le plus individuel. Chacun pense à ses intérêts, à ses stats, à sa carrière. Donc, on s'en fout carrément du club. On s'en fout de ce que le coach pense, les dirigeants pensent, le joueur pense à sa carrière et à juste titre. Parce que le football, la carrière d'un footballeur est tellement, c'est tellement courte que si tu ne penses pas à ta carrière, demain après demain, tu seras vraiment en difficulté. On a vu des joueurs tomber en dépression juste après la fin de leur carrière. Parce qu'ils n'avaient plus de sous, ils n'avaient plus les moyens pour se prendre en charge. Donc la carrière d'un footballeur est hyper courte. C'est pour ça que les joueurs optimisent à fond leur carrière lorsqu'ils sont encore en activité. Ils optimisent leur carrière lorsqu'ils sont encore en activité. Donc moi, je ne peux pas trop en vouloir Ousmane Dembélé parce que malheureusement, on est dans un monde où chacun pense d'abord ses intérêts. Chacun pense d'abord ses intérêts. Donc, moi, je ne peux que souhaiter bonne chance à Ousmane Dembélé. Bonne chance à lui. Et malheureusement, le Barça doit faire sans lui. Le mercato va bientôt fermer ses portes et il faudra remplacer Ousmane Dembélé. Lorsque tu regardes dans le marché, tu regardes sur le marché, tu vois il y a quel joueur de grande qualité, un joueur qui peut pallier le départ de Ousmane Dembélé. Il y en a très peu. Moi, je n'en vois même pas. Je n'en vois pas. Et surtout avec la somme donc le PSG a acheté Ousmane Dembélé, on parle d'environ 50 millions d'euros. Mais avec 50 millions d'euros, tu vas acheter quel jeu de qualité avec 50 millions d'euros? Un joueur de qualité, c'est minimum 70 millions d'euros. Un ailier, minimum 70 millions d'euros. Tu vas trouver quel joueur avec 50 millions d'euros? Un ailier. Il n'y en a pas sur le marché. Un ailier de qualité. Il n'y en a pas. Donc, franchement, bon courage au FC Barcelone. Ça ne sera pas facile de remplacer Dembélé, mais heureusement que le Barça a la Masia. Ils ont quand même les joueurs au centre de formation qui peuvent quand même couler les brèches, bricoler, etc. Mais ça ne peut pas remplacer Dembélé. Ça ne pourra pas remplacer Dembélé. Peut-être sur le long terme, oui, mais à court terme, ça ne pourra pas. Donc, comme je l'ai dit, bonne chance à Ousmane Dembélé et bon courage également pour le Barça. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Ousmane Dembélé est un traître? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!